Yep, tout le monde, c'est Cédric. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FC24 et un nouvel épisode du mode carrière. Vous le voyez donc, pardon, vous le voyez donc à l'écran. On est passé en Ligue 1. Je ne peux pas, malheureusement, à moins que non, je ne pourrais pas vous montrer. On est passé en Ligue 1 Ibérite avec, on est passé en Ligue 1 Ibérite avec Angers. Il y a Angers qui est monté aussi. Et c'est tout, je crois. Ouais, je crois que c'est tout. Nice PSG. Donc là, on va commencer par un choc d'entrée de jeu. Donc, même principe hein, pour la Ligue 1. Ça va être 3 matchs par vidéo. Et on va se concentrer beaucoup plus maintenant sur la Ligue 1. Allez, alors on va commencer cette vidéo avec un match à domicile face au Paris Saint-Germain, Angers et Clermont. Et le but, bien sûr, de cette nouvelle saison en Ligue 1, puisque maintenant on est remonté, le but, ça va être de rester un maximum. Ne me parlez pas d'Ultimate Team, je n'en ferai plus. Je pense que vous en avez eu assez. Je pense que vous en avez eu assez à l'année. Je continuerai bien sûr de mon côté. Moins la semaine, mais beaucoup plus de week-end. Enfin, voire plus du tout. Je vais essayer de réduire un petit peu mon temps sur Ultimate Team et rester sur le mode carrière. C'est-à-dire que même quand je ne serai pas en live, j'irai en mode carrière. J'ai vraiment besoin de retrouver mes anciennes habitudes. Même si voilà, mais j'ai besoin de retrouver mes anciennes habitudes. Mes anciennes habitudes étaient le mode carrière. Donc voilà. Allez, c'est parti. Le premier chapitre de cette nouvelle saison de Ligue 1 pour les deux équipes, c'est le moment de donner la bonne impulsion. Qui va remporter ce duel? Restez bien avec nous pour le savoir. Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés C'est dans notre cabine. parti. On espère que chez vous aussi vous êtes bien installés. Les Valenciennes qui donnent le coup d'envoi de ce premier match après la remontée en Ligue 1 Ibérite. Je rappelle qu'on jouera la Ligue Europa aussi, puisqu'on a remporté la Coupe de France la saison dernière. On a fait coup double la saison dernière, puisqu'on a fait Ligue 1. Avec cette. Oh, la bonne frappe! C'est un ballon récupéré. Souvenir impérissable, hein. Attention. Alors voilà la composition officielle des Aymen. Aymen qui était parti, oh, dommage. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Marquinhos avec Milan Skriniar en défense centrale. Fabien Ruiz sera associé à Reda. Oh oui, le timing! Tête plongeante, décisive, quelle adresse! Bien joué, Juju. Et voilà encore une fois. Tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Donc à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond du filet. Je suis fatigué d'Ultimate Team en fait. Je suis fatigué de mettre mon énergie dans Ultimate Team. Après ce but encaissé. Mon énergie et tout ça, ça me fatigue en fait. J'ai besoin de me poser là en fait, je crois. Et ça joue avec Mukele. Mukele. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Et oui, avec Mbappé, le tir peut-être pour égaliser. Repousser ce ballon par le gardien. C'est un ballon perdu. Ah, le bloc avance bien, il y a maintenant des options disponibles. Renato Sanchez reçoit le ballon. Renato Sanchez, d'accord. Bah, il a signé il n'y a pas longtemps alors, parce que Renato Sanchez, est-ce que Stache il est pas au PSG? Et le ballon reste vraiment très loin à côté. On se demande même quelle était l'idée. En tout cas. Kalimundo?
Ouais. Certainement pas démarqué vu la trajectoire de cette frappe. Ouais, ça va être le moment de voir un petit peu quelles sont les forces en présence et essayer de trouver des profils un peu plus intéressants du côté valenciennois et essayer de comment s'est passé la fin de saison. Bah écoute, la fin de saison s'est plutôt bien passée parce que on a quasiment fait ce qu'on avait à faire. On a été champion de France de Ligue 2, ce qui n'est pas le cas dans la réalité, je rassure tout le monde. Bien fait ça, sans faute. Mais ne comparez pas la réalité avec une très bonne action. Je vous explique ça après, une très bonne action tout de suite et venir et 2-0 pour le Valenciennes Football Club. Donc je disais, ne comparez pas la réalité à un jeu virtuel. C'est bien pour ça que je prends la tête. Pour ça que je prends du plaisir à jouer. Parce qu'au moins je fais un petit peu ce que je veux avec mon club. Oh, mais c'est Kylian. Kylian Mbappé. Mbappé. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Bougues. Ouais. Bon, t'inquiète, j'aurais fini avant que le match ne commence. T'inquiète. Tu sais que j'ai My Canal, hein. Si je veux, je peux mettre. D'accord. Je peux mettre Koh-Lanta. Ou alors je regarde Koh-Lanta en replay. Je m'en fous, hein. Perso, je peux regarder Koh-Lanta en replay. Hein. GTF1+ sur GTF1+ maintenant. Alors. Je peux regarder. Non, je l'ai pas, j'ai pas payé. T'as fait ta mise à jour Free Révolution? Bah alors voilà pourquoi tu l'as pas. Bah oui, il faut faire la mise à jour. Mbappé. Il y a du monde en soutien. Ouais. Non, bah tu iras la faire après. Ça joue sur Ousmane Dembélé. Renato Sanchez! Oh, oh non, ouais, parce que relâcher comme ça sur Renato. Relâcher comme ça, on menait 2-0. Hein. On menait 2-0. Le but, ça va être de se maintenir. Oh, belle faute. Non? Oui, faute, l'arbitre intervient. C'est un coup franc. Tu comptes changer de club? Oui. Donc là, il n'y a pas de carton jaune pour l'instant. Ça c'était. Ce but arrive un peu contre le cours du jeu parce que l'équipe était soumise à une grosse pression. Finalement, ah oui, c'est sûr qu'on était. Aymen. Vous savez, je vous raconte un truc sur Aymen. Enfin, moi, bon, un truc. Je connais son frère à Aymen, vous tout à vous. Renato Sanchez. Marquinhos. Son frère à Aymen, c'est un. Skriniar. Un grand copain à moi. Avec oh Mbappé. Non mais. Ballon pour Fabian Ruiz. Non mais. Et voilà une occasion complètement en danger avec ce ballon qui part très très haut. Pourquoi dans tu décides d'arrêter le team team d'un coup? Parce que je trouve qu'on n'a pas fait assez de carrière et que. Brice Samba. Et oui, c'est un magnifique renfort pour cette équipe. Brice Samba. Que son adaptation soit rapide, efficace et belle. Eh oui, l'égalisation viendra avec la patience et sans se précipiter, une chance d'égaliser peut-être. Oh pardon! Ousmane Dembélé! Quelle capacité à peser sur les défenses, quelle facilité pour être décisif. Oh, mais... Quel talent surtout pour trouver la faille. Merci. Allez. Il n'y a pas faute là, non. Donnarumma, Donnarumma. On va pas commencer par un match nul quand même. Bonne possession offensive. Et le bon coup d'œil sur ce ballon bien placé, dommage. Le numéro 8, Fabian Ruiz.
On va pas commencer la saison sur un match nul quand même. Et petit rappel pour les amateurs de Ligue 1, ce match à suivre bientôt ensemble. Valenciennes affrontera Angers. Et une bonne intervention du gardien pour préserver le match nul. Un arrêt décisif à ce moment du match. Merci Richard. Aïe. Dembélé qui s'applique. Ouais, bien joué. Oh la barre. Oh. Oh, regardez, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, il faut y aller. C'est maintenant. C'est maintenant. Il y a un 2 contre 1 joué. Il y avait un 2 contre 1 joué. On en a bien profité. Voilà. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et ça finit en 2 contre 1. C'est imparable. D'abord on fixe, ensuite on conclut. C'est parfaitement négocié cette séquence. J'en sais rien, mais signale pas son Twitch, ça sert à rien. Laisse-le faire sa vie, je fais la mienne et on arrête d'en parler. Ah, c'est un petit but avec une grande importance car il donne une avance qui pourrait être définitive à l'autre équipe maintenant de tout faire pour revenir. Vous gardez. Et nous jouerons donc 3 minutes en plus selon l'arbitre. C'est un ballon parfaitement maîtrisé. Boucher. C'est fini, l'arbitre met maintenant un terme à ce match et donc l'équipe qui reçoit s'est imposée. Faut pas qu'on à chaque live, faut pas qu'on parle de du groupe parce que sinon après ils vont dire que je parle d'eux et j'ai plus envie d'en parler. Donc bon, si tu veux parler de ce que tu vois à l'écran. Non mais t'inquiète pas, ça va aller, laisse faire le temps. Voilà, encore merci à vous. Attends mais Alan. Il faut qu'on cherche un DD. Faut qu'on arrête d'en parler par contre, sérieusement. Ok, on va pas. Et on est là. Non, pas non plus. Moon 2, c'est trop cher. Moi, je ne fais rien. Je laisse faire le temps et évite d'en parler s'il te plaît Richard parce que après sur le replay il voit le chat et après c'est moi qui va prendre encore donc on parle d'autre chose s'il te plaît. Mais non, c'est pas ça.
a pas un DD là. Tranquille. Tranquille. DC, DG, parce que des pas beaucoup de DD, hein. Franchement, je connais pas. Aïe. Ah, vous inquiétez pas, on va y aller. Ouais, non. Faut un DD, un DD. Alors, équipe. Tac. Alan. De toute façon, il faut des DD. Hein. On en a pas beaucoup des défenseurs droits. Il faut des défenseurs droits, là, on a pas le choix. Il faut peut-être aller chercher... centre de formation. Centre de formation. Défenseur. DG. Ouais. Bah, pas grand chose. Franchement. Mateus Cunha. Non, trop cher, Mateus Cunha. Attends. On en a un. DG. Bon, non. Deux. Deux, dont un du centre de formation. Parce que de toute façon, il faut recruter un recruteur. Non. Est-ce qu'on a un DD qui cherche un nouveau club? Là. Gaëtan. Ouais, faut à un moment donné regarder dans ceux qui cherchent des nouveaux contrats. Parce que des fois on n'a pas forcément les finances pour pouvoir acheter. Donc les gardiens c'est bon, DG c'est bon, DC c'est bon, DD c'est en cours, MG il en manque deux, là il est en prêt.
Lui, il est en prêt. Lui, il est en prêt à l'Ajax. Lui, il est en prêt. MD, c'est bon. Sofiane Baudra. Ok, wow, on est bon pour l'instant. Il faudrait encore peut-être un ou deux BU. Un ou deux BU qui sont à la recherche d'un club. Oh non, c'est des décès. Peut-être, ouais. Peut-être un ou deux à la recherche d'un club ou en fin de contrat. Comme ça, au moins, on est sûr. Normalement, ils en ont un. Ouais. C'est des joueurs qu'on connaît. Pas forcément. On va regarder s'il n'y en a pas en Ligue 1 ou en Ligue 2. En Ligue 1, il n'y en a pas. Et en Ligue 2, il y en a un sur la liste des transferts. C'est le joueur de Grenoble. Hop. Hop, et voilà. Ça nous en ferait au moins un déjà. On a laissé partir Hugo Bonnet, mais c'est pas pour le faire revenir. On l'a laissé partir parce qu'il était transféré. Et comment il s'appelle? Li Lepo. Ouais, non. Bref. Il y a du bon monde hein, sur la liste des. On a lui déjà des stacks. Le Malien. On a l'Arseneur aussi qui pourrait venir. Neuf cent cinquante. Mais non, pas 100 000, Google. Voilà. Attends, trop cher. La bonne affaire, c'est qu'on arriverait à l'avoir à 960. Ouais, c'est juste pour en renfort. Mais il va jouer, hein. Ce qu'il me faut de. Bon, ça va. Ça nous en fait un de plus.
Pas assez bon, mais ça va être à nous de le. Ça va être à nous de le pousser. Pas trop cher. Là, on attend. Là, on attend. Là, on attend. 1,3 million. Pour un prêt, évidemment. Délégué pour un achat. Voilà, on va aller faire les deux matchs qui restent. Alors, on a... Juste 2 secondes. Ah mais vous inquiétez pas. Hein. En général, on nous dit qu'ils sont pas assez bons et puis tu vois qu'au final. Là, ça va être la chance de d'Innocenti du coup. Oui, non, mais vous inquiétez pas. Hein. Des fois, on nous dit que. Hop. Il y avait un autre que je ne veux plus voir d'ailleurs. Il est où? Après ce qu'il a fait, défenseur central.
l'âge, peu importe le moment, les quelques secondes. Bonsoir à tous, la nuit est claire et dégagée, les conditions sont optimales pour jouer au foot ce soir. Bienvenue dans ce stade magnifique. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team Dada au grand complet. Pour vous commenter ce match, c'est notre feuilleton favori, place à la Ligue 1. Ou dans le dos de la défense là. Et le but ! Mais c'est incroyable ! C'est ce qu'on appelle commencer en beauté, marqué sous ses nouvelles couleurs dès son premier match. Pour ça, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il faut pas se soucier un peu de ce qu'ils disent quand on fait des. La défense est battue. Et la belle parade là. Le taxi, ouais, le tailier, ouais. C'est le. L'ex-gardien parisien. Pas avec Albert Ellis en tout cas. Bah si tu commences à virer tous les joueurs qui ont un plus gros salaire, tu te retrouves avec des joueurs qui sont agents libres quoi. Et balle au pied toujours dans le camp adverse. Si tu peux. Il faut penser aussi à l'avenir et à l'avenir et à ce qui nous attend aussi en championnat. Là, on a déjà les matchs de Ligue 1. Après, il y aura les matchs d'Europa League aussi. Donc ça, faut y penser. Il faut avoir des joueurs qui sont capables de décrocher. Et c'est renvoyé par la défense. Il faut avoir des joueurs qui sont capables de jouer sur les côtés, qui sont capables de jouer au milieu, capables de récupérer des ballons. Parce que regarde comme là par exemple, un ballon récupéré comme ça, tu vois, ça peut créer une occasion. Bon là j'ai frappé direct, mais il faut être capable d'avoir des joueurs qui sont capables d'aller à l'agressivité au milieu de terrain et empêcher justement l'adversaire. Il y a du monde là, quelques possibilités. Et dans les tribunes, on attend un tir. Oh, il y a encore le feu. Et voilà une grosse frappe, mais elle passe. Et puis, il faut gagner en précision. Le tailier, il est grand. Je sais pas le tailier combien il mesure, mais je crois qu'il est grand. Attention, il y a du nouveau du côté de Lyon. Un but à l'OL Stadium. Oui, deuxième but à l'instant pour l'OGC Nice. 2 buts à 0 pour l'instant, après 37 minutes de jeu. Oh, c'est un bon ballon. Le ballon repoussé dans la zone dangereuse. Ah, c'est un ballon bien renvoyé. 2-0 pour 1-0 pour Nice. Bon, remarque, tu me diras, c'est. La frappe a beau être relativement proche du but. C'est un peu la réalité des choses aujourd'hui. Ouais, t'inquiète, on va avoir le temps de. Ouais. Ah bah quand t'es en mode carrière, souvent tu fais en sorte que voilà quoi. C'est une bonne progression dans le camp adverse. En sorte que les gens prennent du plaisir et ça marche donc. Et voilà, temps. L'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. La mi-temps. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième. Après, il y a d'autres joueurs, d'autres profils aussi qui vont être capables d'aller plus chercher en profondeur, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien avec les joueurs qui sont capables voilà, d'aller. Il va falloir remettre Anthony Knockaert à droite. Ça y est, West Ham est en mesure de confirmer le bouclage de ce nouveau transfert. J'ai envie de faire confiance à Anthony Knockaert. C'est un très bon choix de leur part. Et laisser partir à Emen. Non. C'est-à-dire, c'est-à-dire alterner entre Emen avec Moutoutaou et Anthony Knockaert. Oh la claque.
Oh bah. Deuxième journée. Oh là 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 là. On va rester sur un clean sheet pour Akiva. Moore qui va remplacer Poa, mais bon, normalement, Moore devrait quitter le club d'ici peu. Et l'équipe récupère le ballon. Ah, tu vois, pareil en défense, vous avez des profils qui sont capables de monter sur le porteur du ballon. Nouveau ballon perdu. Non. Et le tir. Oui, bien défendu. Pas à ma connaissance, je veux dire. Attention à la frappe. Oh, incroyable. Le scénario parfait pour ses débuts. Premier match et premier but. Le numéro 19, c'est Kumara. Attention, il y a du nouveau du côté de Lyon. Un but à l'OL Stadium. Oui, Benjamin, c'est le premier but pour Lyon. Qui porte le score à 3-1 après 71 minutes. Waouh! Merci Laure et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Un peu de coaching avec ce changement. Ouais, voilà. C'est ça en fait. Aymen, faut qu'il soit Aymen ou Anthony Knockart. Il faut qu'il soit un lieutenant pour les deux parce que Aymen ne peut pas faire tout le match. Nian reçoit le ballon. La frappe lointaine, ah, c'est un ballon court les gants du gardien. Et petit rappel pour les amateurs de Ligue 1, ce match à suivre bientôt ensemble, le SCO d'Angers affrontera le RC Lens. Oui, c'est passé, allez. Attention, situation dangereuse là. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, c'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien boucher les angles des frappes. Quel arrêt! Oui, plus beaucoup de temps, mais encore le droit d'espérer une victoire. Attention, il y a du nouveau du côté de Lyon, un but à l'OL Stadium. Oui, encore un but pour l'OGC Nice. Allez, 4-1. Putain, la claque. Ok, merci Laure. Mais c'est pas une claque, là. Ah non, il y a une position de hors-jeu signalée. Ah, le changement est demandé et il a lieu. Ton rêve, si tu devais quitter le club de Valenciennes, ce serait d'entraîner quel club? Mon rêve, ce serait d'entraîner, d'aller en première ligue et d'essayer d'entraîner Chelsea. Mais je sais qu'il faut beaucoup plus que ça pour entraîner Chelsea. Donc, là, l'objectif, ça va être d'essayer de voir un peu comment se déroule la saison et voir si on reste ou si on part. Il faut bien négocier ce ballon là. Oh ! Par contre, si on part là où vous voulez qu'on part, on va recruter une partie des joueurs. Je suis en train de. Il prend sa chance. Et voilà, c'est le but du break. Tant qu'il reste à jouer, ce but les rapproche de la victoire. Ah, j'avoue que celle-là, je l'ai tentée sans me douter qu'elle allait rentrer. Hein. On va revoir le ralenti. On revoit ce corner. C'est parfaitement bien frappé, bien négocié. Le ballon redescend bien, mais la défense semble incapable d'intervenir. Et à la conclusion, il y avait plusieurs options, mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance, comme ça, c'est absolument imparable. L'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Bon, malheureusement, on ne sera pas sur un clean sheet, mais. Repart avec les trois points. La victoire est souvent synonyme de gaieté, d'allégresse, d'enthousiasme. Deux victoires pour les deux premiers matchs, c'est sûr. Oh la vache! Ils se sont pris 4-1, les Lyonnais. Je pense qu'il est temps de nous répondre avant changer de d'entraîneur. Merci. Non, toujours pas normal, on va commencer la saison.
Ouais, je pense, ouais. Après, alors, Lyon à leur juste place, je pense pas. Je pense qu'ils sont sur deux défaites consécutives. Maintenant, moi, le but, ça va être de voir un peu comment se passent les choses. Surtout que je crois qu'il y a 34 journées, je crois qu'ils sont que 18. Donc, la Ligue 1 va aller très vite en fait quand vous regardez parce qu'on en Ligue 1 on n'est que 18 donc forcément ça va aller très vite. Oui, alors, pour vous expliquer brièvement, au moment où je tourne cette vidéo, on est un mardi. Et au moment où vous la voyez sur YouTube, on est un mercredi matin. Ça arrive très frais, c'est arrivé la semaine dernière, et ça arrivera encore cette semaine. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a un Grand Prix ce week-end. S'il est Et vraiment prêt le Grand Prix, il a lieu un bonsoir à samedi. toutes et à tous et quel Donc, plaisir évidemment de vous retrouver pour forcément, un je suis obligé nouveau de grand rendez-vous, un nouveau m'adapter grand match de foot à vivre pour ensemble je au suis obligé de micro d'Omar Da m'adapter Fonseca et en Benjamin Da fonction Silva pour vous du commenter ce match calendrier. et tout de suite du foot hexagonal avec cette rencontre de Ligue 1 et c'est une magnifique fête qui s'annonce pour tout le monde ici. Évidemment, pour l'équipe locale, son début de saison, c'est une très grande satisfaction. Deux victoires pour leurs deux premiers matchs. Personne ne s'attendait à ça. Une équipe inspirée et inspirante. Et une possibilité là pour centrer. Ouais, ballon pour une frappe. Un ballon facile à saisir. Voilà la Donc le Grand composition Prix a de lieu l'équipe. le samedi, ce qui fait que Voilà, la quand vous composition avez une professionnelle page, des équipes. Sur la F1 à gérer, en plus de ça il y a la MotoGP donc c'est double travail ce week-end Ouais, parce il n'arrive pas à conserver ce il y ballon. aura le Grand Prix de F1 samedi et le Grand Prix de MotoGP du Et un coup peu d'espace sur le dimanche côté. et quand vous gérez votre page Facebook pour les vidéos le côté gaming et qu'en plus de Ouais, c'est ça une vous bonne gérez position, deux ça, pages de Galtier. sport puisqu'il y a la page sur le Le ballon VAFC monté sans problème. et la page sur les sports Vinicius mécaniques en et général. un bon pressing. Donc quand vous gérez Et tout un ça, nouveau c'est vrai ballon perdu que sur cette c'est beaucoup de action. travail. Attention, voilà un bon Et duel. Une faut frappe encore dans ce préparer, face à faut face. aller chercher les Surtout articles, qui gagne en faut aller puissance, chercher qui les perd programmes du précision. week-end. Enfin voilà, il y a plein de trucs à préparer. C'est exactement la même chose que quand vous faites une vidéo, quand vous tournez, quand vous êtes en tournage vidéo. Ben forcément Et la non récupération du ballon. Il y a du soutien là pour attaquer. t'inquiète t'inquiète À l'ancienne, une équipe qui reste sur une victoire face à Angers. Qu'est-ce qu'on peut espérer les concernant aujourd'hui? Oui, le match s'était terminé sur un confortable 3. Une victoire pleine d'autorité à l'extérieur. Cela dit, je ne les vois pas rééditer cette performance aujourd'hui. Ça va être très compliqué. Compliqué mais pas infaisable, c'est ce Magnifique. que... Il frappe. Oh, c'est contré. Demain, vous n'êtes pas là de toute façon. Mauvaise passe et donc le ballon change de camp. L'action se poursuit. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. C'est le match retour de la Real Sociedad. Enfin,
à la Real Sociedad. Ouais, c'est pour ça qu'il faut que j'ai fini mon live avant le début du match parce que. Et c'est une frappe! Vraiment pas de danger sur ce ballon. C'est le PSG qui prend le relais ce soir. Si tu veux marquer, il faut mettre beaucoup plus de décision dans le geste. Les deux équipes sont beaucoup trop disciplinées pour faire des différences. Et voilà, on ira plus loin. C'est la mi-temps. Malheureusement, on n'ira pas plus loin. Non, non, mais t'inquiète, hein, c'est calculé exprès, t'inquiète. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Comment retrouver le programme de la semaine? Ah, il élimine son adversaire. Alors, il y a deux possibilités de retrouver le programme de la semaine. Il y a sur la page Facebook. Ah, et Manchester City confirme à l'instant le bouclage de cette nouvelle occasion. Sur la page Facebook la et sur le serveur c'est un Discord. Renfort très important pour cette équipe. On a hâte de voir tout ça. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Ouais, le parade, mais le ballon est toujours en jeu. Ah, il s'est récupéré très haut. Oh non, mais. Ah, la frappe, c'est bien tenté. Un tir en force, pépinasso, mais ça part loin du but. Là, c'était plus difficile d'errater que de marquer. Oui, bonne série de passes pour faire bouger le bloc. L'occasion de prendre l'avantage. Goal, 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 goal. Et quelle surprise! Ce but contre le cours du jeu, c'est pas forcément mérité, mais quel réalisme, quelle audace! La maîtrise, le contrôle du jeu y était, mais ce but change la donne. Il faut continuer à proposer de la créativité. Et parfois on pense que dominer son adversaire, ça suffit. Mais regardez, c'est une perte de balle, une bonne transition, tout est fait avoir. Ça suffit pas de dominer, il faut marquer. Ah oui, comme on dit souvent, hein, dominer n'est pas gagné. Premier but de cette rencontre. Ça, malheureusement, ça arrive très souvent. Johan Magnin. Eh bien joué, il efface son vis-à-vis. Oh non, quelle belle occasion de revenir dans le match. On se rapproche. L'égalisation, c'est pour bientôt. Les trois joueurs qui s'échauffaient vont donc faire leur entrée en jeu. Ta passe avec de l'espace. Pour ça aussi qu'on se prend des buts, pas assez rapide dans les passes. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Quand il est parti à tête à mine. Oh oui. Et au final, cette attaque s'arrête là. Est-ce que ça va partir en contre là? Et le face à face à venir. Le danger est toujours présent. Et oui, c'est réussi. C'était l'occasion de creuser encore un peu plus l'écart. Et voilà, c'est fait. Deux buts d'avance au tableau d'affichage. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Allez, deuxième but contre pour cette équipe, ça fait 2-0. Bien joué Albert Ellis. Et à l'affiche des matchs à venir, nous aurons rendez-vous avec la Ligue 1. Valenciennes affrontera le Stade Brestois. Effectivement, j'ai hâte de voir. Oh, la frappe. Oh, elle était bien partie cette balle. Quand on dit cadrer, ça veut dire de la mettre dans le cadre, pas sur le cadre. Oh, c'est pas cool ça. Non bah écoute, on se retrouve. J'ai fini là, donc y a pas énormément. Donc vous pouvez prendre votre mercredi. Et comme ça, moi je vais me reposer un peu là. Je vais sortir. Je vais tant pis ramener les deux jeux, même si ils les prendront pas non plus.
Bah ouais, tant pis. Oh, Bah, la je vais frappe au but, voir. tentative pour réduire l'écart, mais c'est un échec. En résumé, c'est bien, mais pas assez. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. J'ai l'impression qu'on peut jouer. Nous aurons donc droit à 2 minutes de jeu en plus. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Et le gardien s'illustre bien. Ah, c'est bien joué, très bonne. Ouais, s'illustre bien, mais premier clean sheet de la saison. Le premier clean sheet de la saison, c'est le premier match où on se prend pas de but. On va voir un peu ce que dit l'entraîneur. Enfin, ce que je dis surtout, merci parce que pour c'est votre moi. Disponibilité pour répondre à nos questions. Merci. Faudrait ouais. 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 Alors, si on a la possibilité d'entraîner l'Angleterre, je prends, mais sinon les autres clubs, je prends pas. Mbendy, il est parti signer à Milan, d'accord. Ouais, bah après, Milan quoi. Hein. Alors 200 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on. Non, non, non. Ça va, ouais. Mais ça va. 260. Minutes de plus. Eh ben voilà. Bon, c'est sur des clubs qu'on connaît pas, mais au moins ils ont du temps de jeu.
Ah, mais oui, mais c'est comme ça au football. Il y a des départs, il y a des arrivées, hein. Forcément. Surtout pendant la période de transfert. Donc, bon. Oui. Alors. Allez, man. Allez, c'est pour laisser plus de temps à Emen Boutotaou, forcément. Du coup, c'est comme ça. Est-ce qu'on a des nouvelles là pour les DD? Merde. Ouais, non, mais c'est juste que j'ai fait une connerie. Il faut attendre. 5 millions, c'est trop cher. Un million neuf, pareil, trop cher. L'Arseneur, c'est 3 millions. Je sais ce que je vais faire. Trois millions neuf. Ce sera le plus gros transfert de l'année. Ce sera le plus gros transfert de l'année. Et après, forcément, c'est un peu le but, hein, parce que l'Arseneur, c'est l'un des meilleurs gardiens. Ouais, décisif, forcément. Quoi? Bon, un an seulement, ça va. Non, peut-être pas 10 000. Bon, pour faire ça, monte à 10 000, hein, pour faire ça. Monte à 10 000 et 20 000 de prime de signature. Non, non, ça va pas, non. Ouais, 15 000. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Excuse-moi, hein.
Mais Jean Louchet, je l'adore. Mais Letellier, Jean Louchet, là, combien? Alors, il faudrait un MC du coup. Ah, vrai, pas non plus. Si tu regardes, ouais. C'est deux grands, donc on peut l'ajouter sur les transferts, lui. Merde. Quel con. C'est pas ce que je voulais faire. Ah oui. Parce que ça nous en fait beaucoup quand même. Diabaté, il a pas tant de jeu. Bon, bah, on va terminer là-dessus, je pense. Sur un. Et il faut. Je pense qu'on va terminer là-dessus. On n'a pas d'offre pour l'instant. Est-ce que forcément. Non, c'est. Un joueur de Lille qui est parti à Luton. Un Marseille qui est parti à Offenheim. Ouais, ok. Voilà. Donc, on fait le point, premier point déjà sur les 3 premières journées de Ligue 1. Il y a Reims qui a joué. Voilà, Reims qui a joué. Lyon est toujours dernier ou pas? Oui, Lyon est toujours dernier. 3 défaites de rang. Voilà, 3 défaites de rang, ça devient compliqué là pour Lyon. Le PSG est 7e avec 6 points. Mais ils n'ont pas joué encore. Il y a des grosses surprises. Hein. Déjà Valenciennes dans le top 3, c'est une surprise. Lille, Lens est très loin. Lens est 10e. Des grosses surprises telles que le Paris Saint-Germain ou peut-être un retour du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est des surprises. Après, on n'est qu'au début de la saison. Mais on est sur 3 victoires de rang, donc enfin 3 victoires de rang, donc c'est-à-dire 3 victoires consécutives. Et donc pour la prochaine vidéo, la semaine prochaine, mercredi prochain, puisque je le rappelle, on va se concentrer amplement sur le mode carrière maintenant, puisqu'on a fait. Il est temps pour nous de se concentrer sur ça, puisque c'est la fin. Alors, on a un match face à Brest à l'extérieur. On a également un match de
à domicile face à Marseille. Et on aura notre premier face notre premier match en Europa League. On va aller voir parce que j'ai pas vu qu'il y avait ce match-là. Et j'ai pas vu les phases de groupe surtout. Besiktas, Francfort, Feyenoord, pardon. Et on connaît pas celui-là. Ouais, non. À voir. C'est l'Europa League. C'est pas la Ligue Europa Conférence, c'est l'Europa League. Puisque j'ai gagné la Coupe de France. Donc on aura. Touk. 1. Deux, et du coup, trois clubs français engagés en Europa League. Donc ça, ce sera lors de la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Voilà, ce sera peut-être lors d'une vidéo. Je pense que oui, puisque il y a un match d'Europa League, donc c'est important. Et puis, je pense que ça doit être Jordan Poa. Ouais, Poa, c'est sa chance là. Poa Innocenti, c'est sa chance. Y a pas... Voilà. Donc, on va sauvegarder. Oui, c'est mieux. Voilà. Donc, bon, le match il a commencé depuis 10 minutes, mais c'est pas grave. C'est là-dessus donc que cette vidéo va se terminer. Je vous laisse donc avec la chaîne Twitch du Paris Saint-Germain pour suivre la phase retour entre bon, vous avez manqué 10 minutes, mais pas de panique, hein. Je pense pas que qu'il y ait eu un but dans les 10 premières minutes. Donc je vous laisse avec la chaîne, alors pour Twitch au moment où je tourne cette vidéo, je vous laisse avec la chaîne Twitch du PSG qui vous diffuse le match face à Merde, j'oublie le nom. Attendez, on va aller chercher ça vite fait. Ah oui, voilà, c'est ça. Je vous laisse avec le match retour entre le PSG et la Real Sociedad. Quant à moi, je vous retrouve donc demain pour YouTube, pour Twitch. Ouais, demain pour deux épisodes en mode My Team. Et puis après, voilà quoi. Après, ce sera le repos. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Puis on se retrouvera lundi. Enfin voilà. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.